Bien-aimés, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Juste un petit direct, je vais bénir au nom du Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment, pour ta puissance. Je te loue et te rends gloire, te magnifie et t'exalte, te célèbre et te glorifie. Prends le contrôle de ce moment, conduis-moi dans tout ce que je viens de dire et faire. Au nom de Jésus, amen. Voilà, bien-aimés, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous me recevez. Voilà, je suis là pour juste un petit direct rapide. Pour vous qui êtes sur TikTok et qui êtes aussi sur Facebook et YouTube, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je suis très content d'être là parce que nous arrivons vers la fin de notre moment de jeûne et prière. Et nous savons que c'est un moment de prière qui a été émouvant, qui a été rempli de révélations. Et j'ai béni le nom de Dieu pour ça. Vous savez, notre Dieu est bon. Apocalypse 22, verset 7 dit, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde ma parole, qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Amen. Et Apocalypse 22, verset 20 dit ceci, « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur. » Effectivement, en regardant nos vies, en observant tout ce qui se passe, on se rend compte qu'effectivement, il se passe des choses qui sont au-delà de notre compréhension. Amen. Qui montrent que, effectivement, nous approchons le temps de la venue du Seigneur. Mais l'ennemi a mis tellement de ruses en place, tellement de batailles, tellement de combats, que là où on dit que nous approchons les temps de la fin, où le chrétien est supposé être vraiment aguerri dans la prière, dans la méditation biblique et autres, on se rend compte que l'ennemi veille à ce que, au contraire, les situations des gens se dégradent. Amen. Ce qui fait que, puisque l'ennemi aussi sent que c'est le temps de la fin, c'est comme s'il créait des systèmes pour combattre les enfants de Dieu. Salut Brigitte, l'ennemi. Alors, pour ceux qui ont suivi ça sur YouTube, et Facebook, hier, je vous avais annoncé qu'on allait faire des prières. Amen. Qu'on allait faire des prières puissantes, des prières ultra redoutables, des prières formidables. Et effectivement, par la grâce de Dieu, on a vraiment réussi à faire environ 4 heures de prière. Et puis, certaines personnes m'ont dit, laisse la prière. Et comme c'est le genre de prière qu'on ne peut pas exposer partout, j'ai fait tout ce qui est dans mon pouvoir, même après avoir fini le direct, sur OG, sur Zoom et sur pour que la prière soit disponible sur la chaîne ODG et sur Océan des Grâces. Quand tu mets ici, on supprime. C'est naturel. Mais ce qui est intéressant,
c'est que les gens qui ont fait ces prières se sentaient tellement bien, surtout par la grâce de Dieu, l'enseignement et autres. Et la raison pour laquelle je suis venu, c'est pour t'inviter sur odg.tv. La prière est maintenant disponible pour quelque temps, parce que j'ai laissé la prière pour le prochain programme. Or, le prochain programme, ça peut être à tout moment. Quand je suis inspiré, j'y passe en direct. Et cette prière, si quelqu'un l'a fait, il ne va pas regretter. Nous sommes en jeûne et certainement les derniers jours du jeûne, peut-être même qu'on a fini parce qu'aujourd'hui on est le 27. On est le 27 et on a commencé à nous préparer bien avant même le 14, je ne sais même plus quoi. Mais aujourd'hui on est arrivé à la fin de notre jeûne. Et les prières que nous avons faites ces derniers temps, vraiment ont pour but de vous aider à passer en force. Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi à passer en force. Juste avant de vous laisser aller faire les prières, la parole de Dieu déclare que quand un homme fort garde sa maison, tout ce qu'il garde est en sûreté. Mais si un plus fort que vient, survient, un plus fort que lui survient et le dompte. Le livre de Luc 11, verset 21 dit ceci. Lorsqu'un homme fort est bien armé et garde sa maison, c'est qu'il possède en sûreté. Luc 11, pardon, verset 22. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, et lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Le livre d'Ésaïe 49, verset 24 dit. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture du fait sur le juste sera, lui échappera-t-elle? Alors, durant cette prière qui n'a eu lieu seulement que sur ODG, sur Océan des Grâces et sur Zoom, on a mis le paquet. Mais comme j'ai laissé la prière jusqu'à peut-être début de l'après-midi ou je ne sais quelle heure, pour que les gens aillent faire juste à ce que je sois encore prêt à revenir en direct, je suis venu te dire d'aller au www.odg.tv. La prière est disponible maintenant, avant qu'on enlève. C'est la raison pour laquelle je suis passé là pour te dire d'aller sur odg.tv. Peut-être que tu me suis de TikTok, de ton travail, de ton lieu de travail, que le Seigneur te fortifie. Il est temps que les choses changent. Que quelqu'un dise, Seigneur, il est temps que les choses changent. Parce que beaucoup de gens ont besoin de ce genre de prière. Prière ultra puissante. Prière puissante. Donc, si vous allez sur ODGTV, par exemple, et que vous créez un compte, activez le compte. Allez-y dans votre boîte mail et activez. Maintenant, je vais expliquer rapidement aux gens qu'est-ce qui se passe avec odg.tv. Pour ceux et celles qui sont sur odg.tv, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez vous connecter sur odg.tv, je peux vous montrer ça rapidement pour que vous puissiez aller vous connecter. Ok? Je vais dans odg.tv. Voici comment ça va se passer. Malheureusement, pour vous qui êtes sur TikTok, vous ne voyez pas, mais allez-y sur odg.tv. Excusez-nous la petite lenteur du site, on continue de travailler là-dessus. L'équipe ne se repose presque pas. Nous sommes à pied d'œuvre. Alors, vous allez sur odg.tv, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je vous montre ça en direct. Je vous montre ça en direct. J'ajoute. Bien. Alors, ça, nous sommes sur odg.tv. OK. Vous verrez les films ici. Mais ce n'est pas les films que je vais vous montrer.
OK. Vous allez voir ici, là, vous cliquez là. Moi, je suis déjà connecté. Et lorsque vous allez cliquer là, OK. Je vais voir, OK, où est mon téléphone. Permettez que j'aille prendre mon téléphone pour bien vous montrer. Merci. Merci de votre patience. Voilà, j'ai le téléphone. Alors, on a un système de sécurité sur ODG. OK? Quand vous allez vous connecter, pour ceux qui vont se connecter, OK? Qu'est-ce qui va se passer? Vous cliquez ici. Bon, moi, je suis encore connecté. Le temps de me déconnecter, patienter un peu. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez vous connecter? ODG va vous envoyer un code de sécurité. OK? Vous allez là. Quand vous allez vous connecter, ODG va vous envoyer un code de vérification. C'est pour la sécurité. Amen. Voilà. Et vous allez dans votre adresse mail, si possible. OK? Vous prenez le code. Vous copiez, si votre adresse mail est liée à votre téléphone, vous copiez le code que vous voyez, le code. Vous retournez sur ODG, vous pouvez le faire avec votre téléphone directement, et vous mettez le code. Vous entrez le code de sécurité. C'est pour votre protection, bien-aimé. Et pendant que vous aviez mis le code de sécurité, ça va avancer. Alors, là maintenant, vous êtes connecté sur ODG TV. Vous pouvez décider d'aller ici, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. On n'est pas là. Voilà, on n'a pas dit d'aller sur l'autre espace. Mais vous venez là. OK? Vous venez dans le direct de ODG TV et vous allez voir un bouton rouge qui est affiché live, qui veut dire qu'on est en direct. OK? Voilà. Et une fois que vous entrez là, vous avez tout le temps pour faire votre prière. Ça va charger. Voilà. Donc, ça commence, vous voyez. Ça commence. Donc déjà, la prière qu'on a faite sera en ligne et activée. Allez profiter de ça. Amen. Parce que cette prière, je la recommande à tout le monde. Elle est tellement bonne que j'ai vraiment décidé de laisser ça sur ODG. Que ceux qui veulent suivre puissent suivre. Ça a été un moment incroyable de prière spirituelle. Je vais développer, papa. Aide-moi à devenir quoi arriver dans le lieu. Mais mon esprit a déjà vu ça. Au nom puissant de Jésus, je crucifie ma chair. Je crucifie. Donc voilà, cette prière est vraiment puissante. Quand vous allez faire ça, vous allez voir de quoi je parle. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Voilà, donc ODG a conçu un site pour vous, pour pouvoir vous aider et aussi pour pouvoir faire avancer les choses. D'ici, vous avez aussi le choix d'aller sur Radio ODG quand vous voulez écouter d'autres choses.
Il y a la radio ODG. Donc, ODG est une chaîne complète. Il y a les réseaux sociaux, il y a la radio, il y a la musique. Vous pouvez écouter la musique que vous voulez. Bon, on demande d'abord de se connecter ou de choisir son plan, voilà. Vous voyez, tout est là. Et comme vous le voyez, il y a la musique, il y a les artistes, il y a tout ce qu'il faut pour vraiment vous permettre de passer des bons moments dans la prière. Amen. Donc c'est un peu ça. Et je suis sûr qu'avec ça, beaucoup de gens vont pouvoir se concentrer. Donc si tu as des soucis, les techniciens ou bien moi, je suis là pour aller sur le site pour voir ce qui se passe et vous permettre de vous connecter. Mais il faut d'abord aller activer votre compte dans votre email. Quand vous envoyez la vérification, vous pourrez vous contacter. Même si vous avez des soucis, je verrai cela et je pourrai vous aider. Voilà, bien-aimés, ODG t'invite. Vous avez votre tableau de bord et le tableau de bord est vraiment parfait. Quand vous arrivez au tableau de bord, vous pouvez aller en direct, vous pouvez envoyer des messages. Bon, on est en train de travailler, on va enlever les coquilles, mais en tout cas, les événements, tout est là pour vous. Vous pouvez même regarder des prières. Donc, on vient de lancer et on est en train de tout faire. Donc, si tu as des soucis, sacrifice, les alliances, les dédicaces, j'annule les paroles, les vœux. Regarde. Voilà, tout est dit. Donc, si vous allez sur votre compte, on vous enverra un mot de passe, un code de sécurité. Par mail, vous n'avez qu'à aller prendre le code de sécurité, vous validez pour dire c'est vous. Voilà. Parce qu'avec ce code de sécurité, personne d'autre ne peut se connecter à votre compte. On a vraiment renforcé la sécurité par la grâce de Jésus, ok? Donc, ça dit que c'est toi seul qui peux te connecter à ton compte. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller là-bas, voir tes commandes, profiter de tes prières et autres. C'est toi seul. Donc, quand tu mets le mot de passe, on t'envoie le code de sécurité dans ta boîte mail. Il n'y a que toi seul qui puisse avoir accès à ton compte. Même moi-même, je ne peux pas avoir accès à ton compte. Alors, voilà, j'ai laissé la prière là-bas. La prière ne va pas rester toute la journée parce qu'il faut enlever pour passer en direct plus tard. Mais c'est une prière qui n'est pas sur YouTube. C'est une prière qui n'est pas sur Facebook. C'est une prière que vous ne trouvez nulle part si ce n'est pas ODG. Amen. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Si tu as essayé, ça ne passe pas, il faut réessayer. Je crois que les comptes ont été activés. Les comptes ont été activés, sauf les nouveaux comptes. Et mettez vos noms, vos numéros de téléphone quand vous allez vous connecter. Je vais terminer avec ça. Parce que si vous allez sur ODG, que vous mettez des faux numéros, vous mettez des moitiés de noms ou des faux noms, des faux emails, vous serez coincé après. Quand il y aura un bon programme de prière que vous allez vouloir entrer, le système va vous demander le numéro de téléphone. Vous n'en avez pas mis. Donc, s'il vous plaît, prenons l'œuvre de Dieu au sérieux. Et quand vous allez pour vous abonner, c'est gratuit pour l'abonnement. La prière qui est là-bas actuellement, là, allez profiter de ça. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Cette vidéo va peut-être réjouir encore pour inviter les gens à venir sur ODG.TV. J'ai béni votre journée, j'ai béni votre vie, j'ai béni votre séance de prière.
Et je bénis votre journée de jeûne et prière. On continue jusqu'à 15h, si ceux qui peuvent. Voilà, mais le plus important, on a tenu le chemin jusqu'à aujourd'hui. Soyez bénis, la prière est disponible sur ODG. Allez, profitez-en avant qu'on enlève, parce qu'on va enlever. Ça ne fera pas la journée, on va enlever. J'ai laissé pour vous permettre de profiter et je crois que c'est votre prière pour le jeûne de la journée. Ça va vraiment vous faire du bien. Ceux qui l'ont fait avec moi sur Zoom et sur ODG ont vraiment trouvé que c'était formidable. Beaucoup de révélations, beaucoup de secrets et beaucoup de prières. Quand vous allez partir, vous allez voir, c'était pas du jeu là. Vous voyez comment ma voix est partie? C'était chaud. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure sur odgtv.tv, odg.tv. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, te louons, te magnifions, t'exaltons, te célébrons, t'exaltons, te glorifions pour tous tes bienfaits. Seigneur, protège tous et toutes celles qui vont aller prier sur ODGTV. Plonge tes enfants dans ton sang. Père, environne-nous, barricade-nous, que tout âme forgée contre nous soit annulée sans effet. Toute attaque contre ODG soit annulée sans effet. Seigneur, nous te remercions parce que tu fais grâce. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci Seigneur, amen. Voilà bien-aimés, on s'est dit rendez-vous sur odg.tv.